Il n'y a rien, je te l'ai dit, il n'y a rien. La mort est pour nous comme une mère. Votre organisme est entièrement intoxiqué par l'alcool. Il n'y a pas une petite place pour moi. T'as d'argent à perdre? 50 euros. Oh, alors assieds-toi. Allez. Va-t'en. Va-t'en, je te dis. C'est moi le patron ici. Attends toi-même, voleur. Je te fais arrêter. Va-t'en, je te dis. Je vous comprends, mes enfants. Un grand hôpital. Alors, ta maison, tes vêtements, ton cognac, parti, envolé. Envolé, jusqu'à leurs souvenirs. Somme toute, tu viens loger ici? Oui. Oh, bah, tu sais, on n'est pas plus mal qu'ailleurs. Si on était mal, tu serais parti. Oh, ça, c'est une autre histoire. Enfin, viens, Baron, va, je vais te trouver un lit. Je m'excuse, monsieur le baron, d'une visite aussi matinale. Asseyez-vous, Jean-Monsieur. Le caractère un peu spécial de ma démarche me l'interdit. Ah, eh bien, restez-vous. Monsieur le comte, après l'incident d'hier soir, m'apprêtiez de vous faire valoir que votre présence à la chancellerie ne s'imposait pas absolument. Quel incident? Les 50 000 roubles que vous avez perdus. Ah oui, les fonds secrets. Dans les madelas, dans les casseroles, tout est pourri. Dans les sentiments et même dans les mots qu'on dit ici, il y a des cloportes, des cafards et de la punaise. Pépère! Quoi? Je t'ai apporté une orange et une pomme. Et des cigarettes. J'aurais préféré un bougeant. Je ne peux pas. Costil est fait vieux. Il a bien mouru. Alors, nous partirons tous les deux dans un petit coin tranquille. Nous mènerons une bonne vie. Et personne ne saura d'où nous venons. Ben, le rêve pas de bouvet, ça sert à rien. T'es folle, Nastia, avec ton livre. Tu crois vraiment à toutes ces blagues? L'amour fatal des blagues? Laissez-le-moi! Oh, Seigneur, tous ces ennuis que vous m'annoncez, et en plus, me prendre Natacha. Pour les ennuis, on pourrait peut-être s'arranger.